Ce film nous raconte une histoire qui est à l'honneur de la France. Car le cœur de la France bat pour la liberté. Et il ne s'est jamais trompé. La justice l'exalte. L'injustice le révolte. Et les gens de notre pays ne sont jamais ni bêtes, ni ingrats. Ils reconnaissent ceux qui les aiment, ceux qui les aident. Ils savent payer leurs dettes. Staline a 70 ans. Et sur les grandes routes de France, dans les villes et les villages, de l'Auvergne à la Bretagne, de la Provence à la Flandre, de la Gascogne à la Lorraine, c'est de partout vers Paris que va l'amour pour Staline. En rendant hommage à Staline, nous rendons hommage à notre passé. Nous éclairons notre présent, nous annonçons notre avenir. La France veut montrer comment elle s'est aimée. Et dans Paris où la nuit tombe, dans Paris qui a fait tant de pas en avant, dans notre vieux Paris, où la jeunesse malheureuse a quand même la force de lutter et de rire, dans Paris courageux, qui s'y connaît en homme, on se prépare à fêter le meilleur des hommes. Une foule de visages familiers ouvre les portes de l'exposition. Tout un peuple a signé, tout un peuple est venu. Il sait ce qu'il doit à Staline, vainqueur du fascisme, combattant de la paix et de la liberté, combattant de l'avenir et du bonheur de tous. Ces livres sont ici pour dire et pour redire ce qu'enseigne Staline. Staline, le penseur à l'habit de soldat, le frère de Lénine, le grand frère des hommes, et l'écho de sa voix résonne par toute la terre. L'homme est le capital le plus précieux. Ce que Staline a défendu, ce qu'il défend, c'est ce que chacun a de meilleur. Son travail pour l'amour de la vie harmonieuse, la légère beauté sortie des mains des artisans, les plaisirs et les trésors simples, ce que Staline a défendu, ce qu'il défend, ce sont les tissus de la pensée que le temps ne peut pas détruire, la floraison du langage et de l'art, les progrès de l'intelligence, l'espoir qui animait Jaurès et vaillant couturier, la confiance de Marcel Cachin et les dimanches retentissant du grand cri de l'humanité, ce cri que même les nazis n'ont pas pu étouffer. Ce que défend Staline, c'est l'orgueil de l'homme et c'est sa modestie. C'est la mairie de Saint-Denis où la maison du peuple domine le tombeau des rois. À ta santé, Staline, dit Picasso. À ta santé, Staline, répètent les vignerons qui lui offrent le clairon qui sonna les grèves du midi en 1907. Toute la France ouvrière,
toute la France paysanne, toute la France raisonnable, sans souliers à Valmy, sans souliers au maquis, mais marchant vers la gloire. Toute la France est ici, claire, amicale, familière. Karl Marx. La commune battue ne s'avoue pas vaincue. Elle brille dans les yeux de Louise Michel. Et mille frères ont porté Lénine. Jaurès tombe et la guerre n'abolit pas l'espoir. André Marty, c'est la France qui est présente dans la mer Noire et qui lutte pour la paix contre la barbarie. Avec Jeanne Labourbe, en défendant le socialisme, ils défendent la France. C'est pour la liberté qu'est morte, dans le camp d'Auschwitz, notre sœur d'espérance, Danielle Casanova. Et c'est pour le bonheur de tous qu'est mort Timbaud, le bon Timbaud. Et l'on offre à Staline un peu de cette terre de France, celle du mont Valérien, où tombèrent tant des nôtres. Et l'on offre à Staline le revolver du colonel Fabien. Nos FTP et l'armée rouge ont mené le même combat. Voici l'alliance des héros morts. Ma mère priait pour la victoire de Stalingrad. Et la mère de l'écrivain Jacques Decour offre à Staline la médaille que son fils portait au cou, un tout petit copec, grand comme la richesse du peuple. Le sourire de nos héros répond fidèlement à la gloire de Staline, à la victoire des hommes. Staline, comme Lénine, a dit non aux fauteurs de guerre. Le journal d'un stalag. Staline, c'est l'espoir présent. Il nous a sauvés de la misère et de la mort, mais les temps changent et le chant des hommes change aussi. Il se charge de force et de fraternité. Sans le cœur de Staline, sans sa raison ardente, les blés ne lèveraient pas aujourd'hui pour nous. Ceux qui les font pousser le savent. Sans la victoire de Stalingrad, la France aurait subi des milliers de radours. Sans la victoire de Stalingrad, notre village Grigny serait toujours occupé par les nazis, comme toute la France, comme toute l'Europe. Aussi, nous tous, paysans de Grigny, nous souhaitons bon anniversaire et longue vie au généralissime Staline qui nous a libérés par sa victoire. Alors, vous signez avec nous, monsieur Vidal? Oui, avec plaisir. Reconnaissance, Staline, d'avoir libéré mon beau-fils. Moi aussi, je signe pour Staline. Travailleur de la terre, travailleur de l'usine, le Parti communiste est le parti de ceux qui ont les vrais moyens de vivre par leur travail. Les mains des hommes sauront construire leur bonheur si elles s'unissent. À l'entreprise Aubry, chantier Bonne Nouvelle, nous avons les yeux fixés vers l'Union soviétique, qui a à sa tête l'homme du socialisme, l'homme de la paix, qui consacre toute sa vie prodigieuse à la grande cause de la classe ouvrière,
et conduit les peuples vers la joie et le bonheur. Toute notre sympathie, toute notre reconnaissance, tous nos espoirs vont au peuple de l'Union soviétique et à leur guide éclairé. Très bien, bravo! Merci, tu es Staline! À l'homme que nous aimons le plus, à Staline, l'homme des hommes, les ouvriers offrent le grand témoignage de leur travail, de leur effort. La forge du métallurgiste, la lampe du mineur s'éclaire de la même flamme, celle du cœur à l'ouvrage. Et les mineurs sourient à leur dure besogne, d'un sourire clair et chaud comme un feu de charbon. Et Thorez avec eux sourit à l'avenir. Sous terre, une colombe boit le ciel de France. Beau métier si varié, vous engendrez la paix. Car vous êtes la vie, et les honnêtes gens respectent leurs outils, car ce sont des armes qui ne font jamais de mal. Longue espérance, bonne route où l'on balayera le malheur, c'est une affaire d'honneur pour la conscience humaine. Les hommes seront solidaires, ou bien ils périront. Dans ce petit atelier de Belleville, à quelques pas du mur des fédérés, les ouvriers ont passé 300 heures à fabriquer, avec application, un cadeau pour Staline. Heures de repos converties en fatigue, mais c'était 300 heures qui leur appartenaient. 300 heures plus précieuses qu'un diamant pour leur maître. Leur cadeau, un tour miniature. Et contents d'eux-mêmes, ils se sont réunis. Dans notre atelier, tout le personnel lutte pour la paix. Nous n'avons pas oublié ce que nous avons subi pendant l'occupation nazie. Il faut comprendre qu'un de nos camarades a été interné, le fils d'un autre est tombé dans la lutte clandestine, la femme et la fille de notre directeur ont été déportées. La fille seule est revenue. La mère est morte en Allemagne. Voilà pourquoi nous apportons avec amour notre contribution à l'hommage qui vous est rendu. Chers camarades de Staline, vous, qui nous avez délivrés de l'oppression, à qui les ouvriers doivent la création du socialisme sur un sixième du globe, où maintenant la vie appartient à ceux qui la créent. Nous souhaitons longue vie au guide clairvoyant de la classe ouvrière, à Staline, l'homme de la paix. On va la signer tous. D'accord. Un homme qui signe s'engage. Il se montre à visage découvert. Et c'est toute sa famille qui l'engage avec lui. Tous ceux qui portent son nom. La longue filiation des hommes sur la terre. C'est au nom de ceux qui ont lutté et de ceux qui viendront demain que la classe ouvrière française signe le pacte de la paix. Au nom des braves gens. Des braves gens qui sont prêts, comme Houllier, à donner leur vie pour honorer leur signature fraternelle, pour justifier leur amour de la paix. Comme Pierre Rébière, membre du comité central, qui, les pieds et les mains enchaînés, écrivait à sa femme « Si je peux garder toutes mes facultés, je le dois à ma confiance, à ma certitude dans le Parti communiste, dans le marxisme développé par l'action de Lénine et de Staline. » Les femmes se souviennent. Toutes nos sœurs de France, avec Jeannette Vermersch, ont solennellement juré « Jamais les femmes françaises ne donneront leurs fils pour faire la guerre contre l'Union soviétique. Elles protégeront leurs enfants de la terreur et de la mort. » Et les femmes ne sont plus à genoux. Et leurs enfants grandissent.
et Staline est debout. Au-delà des orages, la terre resplendit. La paix est proche. Tenez, Madame Sémard, ils sont finis, mes cahiers. Bien travaillé. Oh, je suis bien contente. J'ai pu récolter 200 signatures. Sur la dernière page du cahier, je vais coller ma lettre. Bonne idée. Tenez, je vais vous la lire. Ah oui. Voyons, sois ça. Je lutterai toujours plus fort pour la paix, pour que mes trois petits-enfants vivent heureux et qu'ils connaissent plus de bonheur que leur papa et leur maman. Je suis convaincue que mes enfants, mon mari, la paix et vous, camarade Staline, tout cela est une seule et même chose. Non, jamais, jamais, les femmes de France ne donneront leurs maris et leurs enfants pour faire une guerre contre le pays de Staline. Le peuple de France ne fera pas, il ne fera jamais la guerre à l'Union soviétique. Que nous, les travailleurs de France, nous saurions, demain comme hier, nous comporter en alliés fidèles du peuple soviétique et accomplir, coûte que coûte, notre devoir de prolétaire et de Français. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les mères, tous et toutes veulent la paix. Tous et toutes condamnent la guerre. Tous et toutes luttent contre la guerre. Tous et toutes acclament le nom de Staline, synonyme de vaillance et de bonté, d'amour et de paix. Les mineurs de Billy-Montigny ont offert à Staline une lampe sur laquelle sont gravées ces lignes. Cher camarade Staline, à l'occasion de ton 70e anniversaire, les mineurs et similaires de Billy-Montigny font le serment de ne jamais permettre que l'on attaque leurs frères de l'Union soviétique. Le serment des mineurs du Pas-de-Calais est le serment de tous les travailleurs de France, le serment de tout un peuple qui se souvient et qui crie « Vive Staline !» Gloire et longue vie aux chefs du prolétariat international, aux dirigeants de la révolution socialiste, aux libérateurs des peuples, aux premiers des combattants de la liberté et de la paix. Oui, de tout notre cœur, nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous l'assurons de notre confiance inébranlable. Vive à jamais! Vive à jamais notre cher et grand Staline! Vive le communisme !